Je suis vraiment en colère aujourd'hui. Dieu seul sait, et vous savez tous, sur les réseaux sociaux, tous ceux qui me font l'honneur de me suivre depuis des années, ceux qui me connaissent dans mon quotidien, dans la vie réelle, vous savez comment j'aime mon pays. Vous savez comment je suis patriote, comment je défends mon pays et tout ce qui va avec. Mais je ne suis pas contente du tout. Parce que c'est ça le problème de notre pays, c'est l'abus. L'abus surtout. Tout le monde est toujours dans l'abus. Dans l'abus, c'est toujours le vol, c'est toujours l'escroquerie, c'est toujours l'abus, c'est toujours... Je ne comprends pas. Si je comptabilise ce que j'ai déjà dépensé pour les papiers et... Je suis peut-être je préfère ne même pas donner les prix de ça ici là pour les papiers parce que je voulais que tout soit à jour comme il faut et tout. Tout est à jour, tout est nickel, tout est parfait. Mais ça ne fait même pas un mois. J'ai ouvert par la Palace City le 27. J'ai déjà reçu, je ne sais pas combien de services sont déjà passés à Palapala City. Je ne sais pas où c'est parce que c'est Mani de là ou c'est parce que je ne sais pas. Tout à l'heure, là, il y a les agents de la CNPS qui débarquent à Palapala City. À la CNPS, ils viennent donner une convocation. Comme quoi, oh, il faut qu'on se présente à la CNPS pour faire ceci, pour faire cela, pour faire cela. Je dis, hein, tous les snack bars qu'il y a au Cameroun là, tous les snack bars qu'il y a à Ekounou, à Monti, partout au Cameroun là, les gens de la CNPS se déplacent souvent pour arriver là-bas, pour donner des convocations. Moi, je ne comprends pas, hein. Non, mais franchement, tu te débrouilles à essayer de faire quelque chose. Tu te débrouilles à mettre un petit projet sur pied ou tu décides de prendre une douzaine, quinzaine de personnes que tu mets tu formes une équipe. Tu te décides d'avancer avec eux, de travailler avec eux, de faire en sorte que tout le monde soit occupé pour que chacun de nous puisse avoir un bon petit salaire à la fin du mois pour pouvoir au moins payer son loyer et tout et tout et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que vous faites tout pour me rendre folle en fait. Mais c'est quoi ce pays-là en fait? Tous les snack bars qu'il y a au Cameroun là, Ekounou, Monti, Biteng, partout là. Vous, les gens de la CNPS, vous quittez souvent la CNPS pour aller donner les convocations dans ces snacks-là. Les gens, ils arrivent, hein, carrément. Oh, on est venu donner la convocation parce qu'il faut que les employés qui travaillent à Palapala City, nous sommes de la CNPS, on est venu, voilà, machin. Mais vous, vous foutez de la gueule de qui, en fait? Vous voulez que moi, je ne vais pas fermer et vous n'allez rien me faire, moi, je vous dis ça. Rien du tout. Mais on est où là? Parce que c'est Mani Bella. Parce que c'est mon snack. Mais c'est quoi cette histoire? Vous, la famille, vous êtes nombreux là, qui avez des établissements chez vous. Vous avez des établissements, vous avez des snacks. Tu fais toute la paperasse, tout ce qui est possible. J'ai tout fait. Je suis même allé au truc du tourisme. J'ai ouvert le dossier là-bas, j'ai tout fait. Les impôts, tout. J'ai payé un an. Tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé. Certains payent même souvent les 3 mois et tout. Moi, j'ai payé un an. Partout, pour que tout soit à jour. Tout est clair, normal et tout. Tout à l'heure, là, les gens de la CNPS, ils arrivent, ils me donnent une convocation. On est convoqué si c'est quand. J'ai dit que mais la CNPS, non, nous sommes de la CNPS. Nous sommes venus parce que vos employés, il faut que les employés... J'ai dit que mais mon frère, je l'ai eu là tout à l'heure. J'ai dit que mais mon frère, ma structure n'a même pas un mois de vie. C'est-à-dire on a ouvert le 27 avril. Nous n'avons même pas un mois de vie. La CNPS vient chercher. Je lui demande que bon, est-ce que tous les snack bars qu'il y a partout là, tous les établissements que j'ai tout autour de moi là, est-ce que la CNPS va souvent dans ces établissements là pour demander, faire les convocations pour après? Il me dit que non, les textes disent que, machin, je dis que mais de toi à moi, le snack bar qui est là à Monti, est-ce que vous êtes allé là-bas pour demander les employés? On n'a même pas un mois de vie, c'est-à-dire on est en pleine structuration de tout, les contrats sont en train d'être signés, on est en train d'établir tout ce qu'il y a établi et tout, même pas un mois. Vous venez déjà me dire que non, il faut que chaque employé parte avec ceci, il faut que machin a fait que la CNPS a fait que, parce que c'est Mani Bella? Non, mais vous êtes sérieux là? Mais putain, comment les gens vont vivre dans ce pays-là? Mais les gens vont même faire comment? Même mieux que tu restes à l'étranger, tu fais tes choses à l'étranger, tu fais tes choses, tu t'en fous de tout ça. Non, mais je prends mon temps, de mon temps, je prends mon énergie, tout ce que je fais et tout. Je décide de faire un petit truc où je sais qu'il y a quand même une quinzaine de personnes qui pourra vivre là, qui pourra travailler, qui pourra être à l'aide et tout. Je fais toute la documentation qu'il faut, mais tous les jours que Dieu a créé, on reçoit de ces personnes à Palapala, c'est ce que je ne comprends même pas. C'est chacun qui n'arrive à part. Non, mais vous êtes sérieux là? La CNPS. Donc vous voulez me dire que tous les snack bars qu'il y a au Cameroun, vous les gens de la CNPS, vous vous levez souvent pour aller dans ces snacks-là? Pour demander toute la documentation de ci, les employés de ça, de machin? Même pas un mois? Vous n'allez pas me faire fermer. Je vous dis ça. Je dis que même s'il faut que je me déshabille devant vous, devant le monde entier, Palapala City va vivre. Ce sera un établissement où les gens viendront, ils prendront du bon temps, ils seront à l'aise et rien ne va faire. Moi je vous dis ça. J'ai payé tout ce qu'il y avait à payer. Je suis à plus de 2 millions. Que j'ai eu à payer, tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé. Tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé. Tout. Tous les commissaires de fou, toutes les autorités de fou. Je suis entré partout. Je suis allé voir le préfet, le sous-préfet, tous les commissaires de fou. Tout ce qu'il y avait à faire, le service d'hygiène, les quoi, les, tout ce qu'il y avait à faire. Je ne peux même pas compter ce que j'ai eu à faire. Parce que comme je suis nouvelle dans le truc, je suis même sur
qu'il y a des endroits où on m'a bien prise pour une boutoukou. J'ai laissé. Mais je dis que vous n'allez pas. Je dis que à la Palace City, vous ne me connaissez même pas bien. Mon travail, mon temps, mes sacrifices. Je viens faire un truc comme ça là. Je sors 15 petits jeunes où on est un petit groupe, à peine un mois, où on est en train de commencer à vouloir se structurer. Vous venez pour me mettre les bâtons dans les roues? Ah, mais non. Je dis que même s'il faut que je me déshabille, je vais me déshabiller et vous n'allez rien faire. Moi, je vous dis ça. Même s'il faut que je me déshabille, le monde entier va nous voir. Les efforts de qui? Le travail de qui? Vous voulez saboter le travail de qui? Vous voulez, c'est sur moi que vous voulez montrer que vous faites votre travail? Putain de merde. Ça, c'est quoi ça? Vous n'avez même pas honte? Vous n'avez pas honte? Les gens se démerdent partout à l'étranger. On décide de venir ouvrir un petit truc pour diminuer un peu le chômage et tout. Au lieu d'encourager, au lieu de soutenir. Vous venez là, oh, et je parle au monsieur, il dit que non, ce sont les textes qui disent que machin, machin. Vous là, monsieur, je vais vous exposer. Votre document là, je vais exposer ça. Et les gens de la CNPS, vous allez me dire, je vais contacter mes avocats, on va arriver à la CNPS. Vous allez me confirmer que tous les bars qu'il y a à Ekounou, à Manassa, à machin là, à Y Escalier, partout là, tous les snacks là, vous allez me confirmer que vous avez envoyé vos agents de la CNPS dans tous ces établissements là. Vous vérifiez comment les salariés sont traités, comment les salariés se comportent, comment les salariés partent. Vous allez, je dis que vous ne me connaissez même pas. Dieu, vous les payez combien? Oh machin. Regardez-moi les. Moi je dis et je répète, ma structure ne fermera pas. Je vais travailler et mes 15 employés vont travailler à Yaoundé. Parce que j'ai souffert pour ouvrir ça. Parce que j'ai travaillé dur, je travaille dur. Que je sois enceinte, que je sois comment, vous me voyez tous les jours sur les réseaux là, comment je me bats comme une lionne au quotidien. Et ce n'est pas vous. Et vous, les gens qui voulez gâter le pays là, que vous n'aimez pas voir les gens faire les efforts. Dès que quelqu'un fait son effort, il place, vous venez pour gâter ça. Je ne vais pas vous permettre ça. Je ne vais pas vous permettre ça. Je vous dis la vérité au nom de Dieu. Et dit que même en justice, on va aller en justice. Vous allez me démontrer comment tous les snack bars qui sont partout à Yaoundé là-bas, comment vous partez souvent partout là-bas, vous les gens de la CNPS, pour faire ci, pour faire ça, vous allez me démontrer ça. Et même si vous le faites, putain, ça ne fait même pas un mois. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.